On est en yourte depuis 2 ans. J'avais quand même dans l'idée que la yourte c'était performant en termes d'isolation, mais que, étant donné que c'est un habitat léger et mobile, au niveau de l'inertie, il y avait quand même un sacré défaut. Donc avec un poêle de masse, on corrige ce défaut. Je découpe le tube d'évacuation des fumées. Et donc maintenant, on va replier les ailettes à l'intérieur du bidon. Donc là, ça va être le cendrier. On fait une première couche de béton réfractaire isolant au fond du bidon. Ce béton est constitué d'eau, de vermiculite et de ciment fondu. Alors, on met de la chamotte réfractaire. Ensuite, on ajoute du ciment fondu. Et à peu près 1 litre d'eau. Donc peut-être pour resituer la différence entre inertie et isolation. L'isolation, ça serait sa couverture quand on va se coucher. Et l'inertie, ça serait la bouillotte qu'on met dans son lit, quoi. Donc là, la couette, on l'a. Avec la yourte, on a 12 cm d'isolant. Mais par contre, on n'a pas notre bouillotte, notre truc qui retient la chaleur et qui la restitue progressivement. Les différences de température se ressentent vite. Pour se corriger ce truc-là, on a fait le choix de construire un polito, donc qui est un poêle de masse semi-démontable, spécialement conçu pour les habitats légers et mobiles. Là, je découpe du carton pour faire un coffrage. Le bois va être inséré ici. Il va tomber au fond. Là, c'est le cendrier. Du coup, la combustion se fait ici. La flamme part ici, remonte dans ce tuyau, il va y avoir une cloche ici, les fumées redescendent dans ces deux tuyaux, dans le collecteur, et ensuite les fumées sont évacuées par là. Ce coffrage, on l'insère dans le bidon, dans le poêle, et on coule du béton par-dessus, ensuite on brûle le coffrage, et on a des réservations au fond du bidon. Je coupe l'entrée de bois. Là, je coule le béton à l'intérieur du moule. Le coffrage qu'on a fait pour la remontée de flamme. Voilà, ça va être du béton isolant.
dès qu'on allume le feu, nous, on n'a pas cette sensation de chaleur très rapide qui monte, parce que la chaleur va se diffuser à l'intérieur du poêle et du coup va faire en sorte que la yourte ne prenne pas chaud très vite. Donc c'est la masse qui se réchauffe en premier, et une fois que la masse est chaude, eh ben, c'est la masse qui rayonne dans la yourte. Et une fois que le poêle s'est éteint, ben, la chaleur va continuer de se diffuser doucement. Et il y a à peu près un déphasage de 6, 8 heures, 10 heures, ça dépend comment on a fait chauffer le poêle, quelle température il fait dehors. Donc on bénéficie de cette inertie une fois que le poêle est éteint. Du coup, ce qui fait que nous, on fait un feu le matin de 2 heures, et le soir, pareil, on fait à peu près une flambée de 1 heure, 2 heures. Je découpe le couvercle, l'entrée de bois et la vitre. Là, c'est le bouchon du cendrier. On commence par positionner la remontée de flamme. Ensuite, on place la cloche, l'entrée de bois. Partout où il y a des ailettes à l'intérieur, donc autour de l'entrée de bois et autour de la cloche, on va mettre un petit mortier en terre. Et ensuite, on va remplir tout cet espace vide de sable. On peut rajouter un petit bouchon de cendrier. L'été, etc. Quand on fait notre flambée, on la fait flamber à fond, quoi. Le tirage au plus fort, histoire que la masse se réchauffe. Et ça évite aussi toute pollution due au feu à feu doux. Parce que dès qu'on allume un poêle et qu'on le met à feu doux, ça a l'inconvénient de polluer parce que la combustion ne se fait pas complètement. Du coup, il y a beaucoup de rejets de fumée. Et en plus, ben, y a toujours le risque d'un feu la nuit.